Sandra Van Marken, donc, qui a interprété la Marseillaise et qui est applaudie par le public néerlandais. On va écouter maintenant l'hymne des Pays-Bas. Qui a remplacé Dick Advocaat a nommé Ed de Kooij, qui est lui un ancien. C'est lui qui gardait les buts des Pays-Bas lors de la dernière Coupe du Monde. Un autre joueur de l'Ajax d'Amsterdam, Arthur Newman, du PSV Eindhoven, alors que Clarence Sidan, le Benjamin, il a à peine 18 ans, avec son numéro 8, sera encore sur la pelouse. C'est encore un joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Côté français maintenant, face au forfait de dernière heure d'Alain Roche, mais Aimé Jacquet avait décidé de s'appuyer sur une équipe de France à la Nantaise. Christian Carambeu retrouve un poste qu'il avait perdu à la suite de son expulsion en Pologne. Au milieu du terrain, Jean-Michel Ferry profite précisément du forfait d'Alain Roche. On retrouvera également Patrice Loco et Rénal Pedros de Nantes qui se sont dernièrement illustrés. Alors on va voir de quelle manière Aimé Jacquet a articulé sa défense à l'absence du capitaine parisien. L'arbitre de ce match sera un Belge, M. Michel Pirot, assisté aux touches de Luc Mathus et Léopold Prissen. Et nous devrions assister à un match, du moins espérons-le, orienté vers l'offensive, puisque c'est une rencontre amicale. Et les deux équipes, nous vous le disions, préparent les échéances des éliminatoires de l'Euro 96 dans leurs groupes respectifs. Du reste, les Pays-Bas et la France sont tous deux invaincus. Souvenez-vous que nous avions quitté les Pays-Bas, c'était à Dallas, à l'occasion du match Brésil-Pays-Bas, que ce avait été le match de référence de ce mondial, un match superbe, somptueux. Il y a des absents qui ont disparu, notamment Bergkamp, notamment Jan Wouters, notamment Ronald Debourg. Alors, pour essayer d'assurer la relève, Gus Hiddink a fait confiance à deux joueurs qui vont fêter aujourd'hui leur première sélection. Michael Molls du FC Twente avec le numéro 9 et Glenn Elder de la Vitesse Arnhem avec le numéro 11. C'est leur baptême du feu, leur première sélection et le premier ballon pour Molls. Et Carambeu qui a récupéré, ballon sur le côté droit, Loco qui cherche Jean-Pierre Papin. Balle récupérée par Cantona et à nouveau par Papin qui peut frapper, tir contré et dégagement de la tête de l'arrière latéral, Valks le blond. Avec un très bon ballon de Carambeu, centre une première fois manqué, il y a un dégagement
difficile de Franck de Boer. Avec les Néerlandais qui peuvent repartir là-bas sur le côté gauche grâce à Sido. On calme un petit peu le jeu, retour derrière vers Jonk, lui aussi était un des éléments moteurs de l'équipe néerlandaise en Coupe du Monde. Valks, qui l'a passé jouer au Sporting du Portugal. Blind qui a hérité du brassard de capitaine. Car il est le vétéran de cette équipe, Blind, il a 33 ans. Avec un bon ballon en profondeur pour Overmars qui va très vite, qui est contré par De Saï. Il est sanctionné. La balle était sortie de toute façon. Non, oui, mais il y aura un coup franc avant. Et effectivement, ce sera l'un des dangers numéro 1, Marc Overmars. L'ailier droit de l'Ajax d'Amsterdam, qualifié comme le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'Ajax d'Amsterdam qui est arrivé premier de son groupe D, largement devant le Milan AC. Largement, très très largement. Et l'Ajax d'Amsterdam qui rencontrera l'équipe d'Ajax Split, pendant que le Paris Saint-Germain, lui, rencontrera l'équipe du Barça. Avec De Saï au milieu pour Laurent Blanc. À nouveau De Saï. Le Ben. Dimeco. Oula! Petite mésentente, mais qui n'a pas porté préjudice. La remise en jeu sera néanmoins néerlandaise. Effectuée par Sidor. La Rose Sidor que l'on avait vu. Une équipe première de l'Ajax d'Amsterdam alors qu'il en avait à peine 16 ans. Il en a 18 aujourd'hui et il est international. Avec Overmars, pris par 4 Français, mais ballon toujours pour les Néerlandais. Attention à la frappe de balle de Jean. Qui avait réussi pour ouvrir sur Mols un superbe crochet extérieur. Mols a été... normalement signalé hors-jeu avec une défense française qui joue plus à plat. De Saï et Blanc pratiquement sur la même ligne, le libéro de cette défense n'est pas derrière, il est devant, c'est Jean-Michel Ferry le Nantais. De Saï, Blanc, Pedros a cherché immédiatement Papin, ballon dégagé par Blind. De Saï est monté. Dimeco, le ballon qui va aller jusqu'à Ed de Boy, le gardien de but de cette équipe des Pays-Bas. Jong, Mols contré par De Saï. Superbe tête de Carambeu, un petit peu longue. Jong qui s'est fait prendre le ballon dans les pieds par Paul Le Guen. Pedros. Il est s'empaler sur Dani Blind. Il y a du poids dans cette défense néerlandaise. Bonne interception encore de Christian Carambeu là. Papin contré. Jonk à nouveau. En profondeur, bon jaillissement Laurent Blanc. Ça se passe au milieu du terrain maintenant. Les espaces sont extrêmement réduits. Et Cantona a écarté sur le côté droit. Cantona. Pique au centre pour Loco, Cantona arrive un dixième de seconde trop tard. Blind. Il était précédé par Aaron Winter, comme Jonk joue à l'Italie. Jonk à l'Inter de Milan. Aaron Winter à la Lazio de Rome, qui a passé 7 buts dimanche dernier. Newman. Sidor. Jonk. Encore Newman. L'équipe néerlandaise qui joue en 4-3-3 avec deux véritables ailiers de débordement, Elder et Overmars. Bernard Lama avec Laurent Blanc, De Saï. Pedros. Ferry, Carambeu. Pas d'affolement
sur le pressing des Orages, mais ballon perdu. Ah, récupéré par Winter qui a un bénéfice d'un contre favorable. Newman, Elder, Winter, pas mal en déviation, mais ça va aller jusqu'à Bernard Lama. Aaron Winter en gros plan aussi infatigable pourvoyeur de ballon. Gwen de Saï. 42, les Français qui ont du mal à sortir pour l'instant. Papin. Ferry. Cantona. De Saï. Elles sont interceptées par Newman. Ouais. Jeune Arthur Newman. Winter. Jonc. Overmars. Là, il cherche toujours les 1-2 Overmars. Mais là, il n'a pas eu le 2. Sidorf, Newman. Il y a un décalage. Elder. Décalage, décalage. Et passement de jambes. Ah oui, bon centre. Superbe centre bien dévié par Eric Dimeco. Alors que le but français était bien encadré par Moïse au premier poteau, Overmars au second. Passement de jambes remarquable du jeune Glenn Elder. Avec encore Overmars, là on est à 30 mètres du but français. Blind qui écarte sur le côté pour Debourg. Elder contré. Avec un pied en avant de Arthur Newman. Ouais. Même si la tête de Jean-Michel Ferry était un petit peu basse. Voilà qui va permettre à l'équipe de France de se dégager alors que l'on joue la 8e minute. Toujours 0-0, mais un départ plein de promesses de cette équipe néerlandaise qui domine en ce début de rencontre. Dimeco, De Saï, Jonc, contré par Ferry. Il l'aura pour Loco. Il peut donner à Loco qui remet à Ferry. Oh, oui, c'est peut-être Papin. Peut-être Papin, Ferry sûrement pas. Certainement pas Ferry. Non. Ça c'est sûr. Jean Valks. Nouveau Jean. Profondeur. Mols. Sidor. On revient derrière pour mieux repartir du côté néerlandais. Blind. Valks. Overmars. Jean. Ah, il va très très vite, Overmars. Il avait encore un bon centre à la sortie. Pas plus centré. 3 mètres de retard au départ et un d'avance à l'arrivée. Il est même revenu pour récupérer ce ballon, Marc Overmars. Avec Sidorf maintenant. De Goy. Blind, Valks. Les Français ont du mal à attraper le ballon en ce moment. Sidorf, Valks, Overmars. Valks à nouveau. Jonc, Overmars. Avec un tacle de Eric Dimeco qui va être appelé par Monsieur Pirot. L'arbitre belge de la rencontre. Car même s'il a attrapé le ballon, et il est bien les deux pieds décollés, c'est ce que va lui faire remarquer Monsieur Pirot. Et c'est surtout l'intention. Et il pouvait nuire à l'intégrité physique de son adversaire. C'est ce que lui dit Monsieur Pirot. La prochaine fois, ce ne sera pas forcément le jaune. Et même si vous avez attrapé le ballon, Eric, et en l'occurrence, c'est exact. Il y a tacle et tacle. À Blind de l'autre côté pour Elder. Pris par Dimeco, mais il n'a pas pu garder le contrôle du ballon. Seaman n'hésite pas à revenir loin derrière. Jouer avec Ed De Goy comme libéro. Deuxième libéro en quelque sorte. Valks maintenant.
de Sailly obligé de revenir en arrière. C'est vrai que la maîtrise du ballon est plutôt néerlandaise. Lind, de Boer. Que le danger est surtout venu sur les côtés. Seaman. Oui, bonne interception. Laurent Blanc. Ils n'ont pas beaucoup d'espace, les Français, ils sont tout de suite pris dans le pressing néerlandais. De Sailly. Dès qu'ils récupèrent le ballon, les Français sont sous la pression de la défense tout terrain des Néerlandais. De Sailly avec Pedro, se met pris de vitesse par Seedorf. Dès qu'il y a un contrôle un petit peu retardé, un enchaînement un petit peu long, il y a immédiatement un orange sur un bleu. Supporters néerlandais qui entonnent leur fameux cri de guerre, Holland, Holland. Encore un mauvais contrôle là qui a été profitable aux joueurs des Pays-Bas. Seedorf, De Boer, Helder. Mols. Oh le relais. Bien joué. Oh le relais, qu'il est beau ce relais. C'est un match amical. Heureusement, là, il s'agit d'un match amical. Pris de vitesse, l'équipe de France actuellement, indiscutablement. Car derrière Ferry, vous imaginez bien, en voyant la proximité de la ligne de but, il n'y avait plus de défenseurs. Avec Laurent Blanc. Overmars, Seedorf. Le rythme, le tempo est donné par les Néerlandais. Ah oui, et on se demande combien de temps l'équipe de France va pouvoir continuer à courir après un insaisissable ballon pour l'instant. Même si ici Arthur Neumann a été trompé par un faux rebond. Comme ils sont bousculés, là, Jean-Pierre Papa qui a été pris par De Boer. Et tout de suite, les Néerlandais avec Jonk, bien revenu, Pedros, laisse pour Le Guen. De Sailly, Dimeco, Cantona, Blanc. Oh, ils reculent les Français. Attention. Problème, hein, problème. À l'interception, c'est ce que recherchent les Néerlandais actuellement. C'est l'interception. De Sailly. Voilà, un petit peu d'espace, c'est pour Eric Cantona. Cantona, dans les pieds pour Loco. Faute sur Loco. Faute car le 1-2 entre les deux Nantais, Loco Pedros était réussi. Et à la suite du 1, Loco a été mis à terre, me semble-t-il, par Valks. Il fera quand même un peu lointain pour une frappe directe. Monsieur Pirot qui essaye de faire reculer le mur néerlandais. Et trois gauchers au ballon. Le Guen, Pedros, Dimeco. Et c'est Paul Le Guen au second poteau. En jeu. Ouais. La manière de l'ancienne équipe néerlandaise, celle des Niskens, Cruyff, Ulsof. Tout le monde est remonté. Valks. À nouveau. Ouh, attention là, il y a une occasion peut-être. Et petit pont réussi. Cantona. Enchaîné. Ouais, avec Loco. Reprise avec De Boer. Ah, il peut lui faire des misères, Loco, à De Boer. Ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Eric Cantona va le laisser à Paul Le Guen.
Pas beaucoup de bleu devant le but néerlandais. 4 exactement de Seyi Blanc, Papin et Loco. Et c'est pas facile pour De Gaulle quand même. Oui. Mal récupéré par les Français de Saïd qui a donné à Pedro. Ça c'est superbement bien joué. Superbement bien joué. Et maintenant, voilà. Oh, il a été bousculé, mais comme Pedro, le pied droit, c'est pas son meilleur pied. Il n'a pas pu. Récupération des Néerlandais, non. Carambeu sur le côté. Un beau numéro de Christian Carambeu, bien joué. Papin de la tête de Saïd dans les 16 mètres, non, ça ira jusqu'à De Gaulle. Et bonne période des Français, ouais, ils s'enhardissent, c'est bien. La suite de ce corner obtenu par Patrice Loco. Linde, Debourg, Elder, revenu Loco. Elder est passé, il est très vif, très ondoyant. Et de peu. De peu, mais il s'était embarqué dans une série de dribbles qui avait failli déséquilibrer la défense française. Glenn Elder. Ah oui, vous aviez raison de le signaler, Jean-Michel. C'est assez rare pour l'être de voir une belle équipe comme ça qui évolue avec deux véritables ailiers. Ça n'est plus tellement à la mode. Et ça peut réussir et ça peut surtout rapporter gros. 18e minute et toujours 0-0 entre la France et les Pays-Bas. Et après un début difficile, une équipe de France qui semble sortir la tête de l'eau. Et qui obtient ici un coup franc pour une poussette de Valls. Le stopper néerlandais sur dans le dos de Jean-Pierre Papin. Et toujours pour Le Guen, on lui a conseillé d'allumer, ce qu'il ne se prive pas de faire. Mais la balle est passée à côté du cadre. Joli petit stade à l'anglaise que ce Valgengaard Stadion de Utrecht. Le Guen qui a taclé cette balle. La touche sera évidemment pour les Pays-Bas. Seedorf. Winter, Seedorf à nouveau. Il carte derrière. Blind. Debourg. Liman. Pour Holz, Blind, Valks, Seedorf, Winter, on fait tout ça, Jonk, Seedorf, Winter, et bonne sortie de... Oh, vilaine faute! Vilaine faute de Jonk sur De Sailly. Les 2000 années. Les 2000 années, oui, qu'ils ne se sont pas fait de cadeau. Il était bien sorti, Marcel De Sailly, là. Et sur quelques actions que l'on a vues depuis le début de ce match, Jean-Michel, on a l'impression que le Milanais revient en forme. Il a connu une période difficile après sa blessure. Oui, et puis un petit peu à l'image de toute l'équipe du Milan. Là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. C'est vrai qu'avec les rencontres de retard que comptaient les Milanais, ils sont venus se replacer dans la première moitié du tableau à un rang plus conforme à celui qu'espérait leur dirigeant. Jonk, Valks, Overmars, Valks à nouveau. Et Overmars, la présence d'Overmars empêche totalement Eric Dimeco de se libérer. Eric Dimeco qui aime bien monter. Et là, il est obligé de surveiller essentiellement Overmars comme Carambeu surveille Elder. Loin devant, Loco battu dans le jeu aérien. Elder justement pour Newman. Jonk. Maîtrise du ballon néerlandaise. Mais ça se passe au milieu du terrain. Lind, Winter. Newman, Elder, avec une faute de Patrice Loco sur Arthur Newman, et à coup franc cette fois-ci pour les Pays-Bas. Alors que là-bas, sur le côté,
côté, il me semble que Franck Debourg a des problèmes avec ses chaussures. Oui. Voilà, il est en train de changer. Alors, de Valls fait circuler le ballon vers Cédor jusqu'à De Goy. Le temps pour moi de vous donner la question Minitel se rapportant à ce match. L'ex-star des années 70, Johan Cruyff, entraîne maintenant un prestigieux club européen. Quel est ce club? Est-ce que c'est l'Ajax d'Amsterdam? Est-ce que c'est le Football Club de Barcelone? Ou est-ce que c'est l'Inter de Milan? Ah oui, vous êtes gâté. C'est pas trop difficile. Alors vite, 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 36-15 code TF1 pour les cartes téléphoniques. Cher à Martin Tournier, les cartes téléphoniques de TF1, 36-15 code TF1 ou 36-68-75-76 au téléphone. Pour les gagner, bien sûr, si vous connaissez la bonne réponse, et ça ne doit pas être trop difficile pour vous. Alors que Franck Debourg demande à revenir sur le terrain et que M. Pirot fait la sourde oreille. Et là, à la vitesse, eh bien... Ouais, là, ça sera une sortie de but. Est-ce que vous savez, Jean-Michel, alors, que... Alors, il lui dit de rentrer, mais il est déjà rentré. Est-ce que vous savez que TF1 retransmettra les championnats d'Europe de sûr. Patinage artistique à Dortmund à partir du 30 janvier? Vous saviez ça? Avec Roger et Anne-Sophie. Voilà, et avec Surya Bonali et Philippe Candeloro, qui se préparent activement. Ils seront en gala samedi à Annecy à 20h30 et dimanche à Grenoble également à 20h30, dans le cadre justement de leur préparation à ces championnats d'Europe. On leur souhaite la meilleure des chances à nos deux patineurs vedettes, Philippe Candeloro et Surya Bonali. Jonk sur le côté. Valks. Cédor. Bon ballon pour... Ah, il n'a pas pu le maîtriser ce ballon, Elder, là-bas. C'était pas commode, il faut le reconnaître. Du bout du pied. C'est sorti. C'est une touche tombée dans la fosse, mais ça revient vite à Utrecht. 23e minute, on est à la moitié de cette première période, toujours sans but, 0-0. Mais un match plaisant. Avec Blind, le capitaine, qui va jouer avec De Goy. Sans contrôle pour De Goy ici. Papin au pressing. Pas trop, il a pas été trop virulent, Jean-Pierre Papin. Overmars. La touche sera pour les Pays-Bas. Cédor. Valks. Allons pour Dimeco. Récupération. Cédor. Jonk. Ah, les Français ont bien du mal à récupérer un bon ballon. Debourg. Ah, ça c'est mieux comme pressing, mais c'est pas mal comme dégagement. Et relance Overmars. Avec Overmars. Blind. Neumann. Debourg. Elder. Oh, c'est bien fait encore. Elle vient dans le sens de la largeur. Sidorf. En ce qui concerne la possession du ballon, il n'y a pas photo. Non, là, il n'y a vraiment pas photo depuis le début de la rencontre. Et là, on a vu au départ de Elder, l'accélération de Elder avait un petit peu désarçonné la défense française, un petit peu seulement, car Bernard Lama n'a pas été inquiété. Par contre, ici, attention, au départ d'Overmars, celui-là, il fait toujours vraiment très très peur. Parce qu'on a l'impression que s'il prend un mètre d'avance, on ne le rattrapera jamais. Eric Dimeco qui réclamait une faute que l'arbitre ne lui a pas donnée. Elle est toujours orange. Oui, pour Winter. L'un des anciens de cette équipe. Tout comme Blind, son capitaine. Overmars. Oui, la. Attention, pas de faute.
Contacle de Ferry. Ah, il est pas mal ce qu'il a fait là, Marco Vermaers, le numéro 7. Petit prodige de l'Ajax, entre les petits ponts, les crochets. Et attention à ce premier corner pour les Pays-Bas. Il y aura sûrement plus de 4 joueurs devant le but de Bernard Lama. Et vous savez qui est le dernier défenseur là des Oranges, Thierry? Le dernier défenseur, j'entends. C'est Overmars. Il est tellement petit, il sait qu'il ne va pas mettre sa tête sur le corner. Alors, c'est lui que vous allez voir là, à la chute du ballon au marquage de Papin. C'est lui là. Papin. Et c'est lui qui compte. Pour les Bleus. Ça m'étonnerait qu'il reste très longtemps au poste de défenseur. Le Gouen, Dossaï, Ferry, Papin, attention, Dossaï, Carambeau obligé de revenir. Bien tout ce qu'il a fait depuis le début, Christian Carambeau, à l'image de ce qu'il fait sous le maillot jaune et vert du FC Nantes Atlantique. Cantona, ballon perdu. Winter, Jonk, Numan, plus d'engagement chez les... Oh, attention à la déviation. Numan, superbe frappe, mais juste au-dessus du but de Bernard Lama. Très belle et très bonne action néerlandaise. Avec cette déviation instantanée, intérieure du pied de Mols pour Numan qui reprend de demi-volée pied gauche. Peut-être un tout petit peu excentré Arthur Numan sur la remise de son coéquipier Michael Mols du FC Twente. Mais première alerte très très sérieuse sur le but de Bernard Lama. Ça se précise. Blind. Cédor. Prise avec Pedros. Interception Le Gouen. Jonk, tout de suite le ballon vers Elder là-bas. Avec une belle transversale bien pure. Ah, c'est un football simple, mais qui pose problème à l'équipe de France que ce football néerlandais. On approche de la demi-heure de jeu, 28 minutes. Et Ed De Goey n'a pas eu un seul arrêt difficile à faire, ni même une seule intervention. Ferry, Carambeau, De Boer. Jonk laisse filer pour Cédor, puis avoir frappé encore juste au-dessus. Il a frappé un peu à la Platini, Thierry Cédor. C'est-à-dire extérieur du pied avec un ballon qui va repartir vers le but. Qui va plonger vers le but et finalement... Bien, je peux vous dire qu'elle n'est pas passée si loin que ça. Oh non, elle n'est pas passée loin du tout, elle est passée juste au-dessus de la barre. Alors qu'il était à une bonne trentaine de mètres, Clarence Seedorf. Détecté lors des jours, comment vous traduisez, Thierry, Talandé. Les jours de talent, voilà. Le recrutement des bons joueurs, voilà, des joueurs talentueux. Voilà, alors ils sont 2000 à venir à l'Ajax, ils sont là. Pour quelques journées, puis au fur et à mesure que les jours passent, eh bien on diminue. Et on garde les meilleurs. De 2000, on passe à 1000, de 1000 à 500. Et puis on en garde 10 chaque saison. C'est le centre de formation. Et de ces 10, eh bien, il en sort tous les ans 2, 3, voire 4. Et c'est ainsi qu'on retrouve des Arthur Numan, des Clarence Seedorf, des Davids, qui sont maintenant l'équipe nationale. Ça, c'est le travail de l'école de football de l'Ajax d'Amsterdam. Ah oui, ça, notre ami Vandenbrink nous en avait parlé longtemps. Cet homme qui fut dirigeant au FC Nantes il y a quelques années et qui connaît remarquablement le football néerlandais. Grand amoureux de l'Ajax d'Amsterdam, comme le sont beaucoup, beaucoup d'amateurs de foot aux Pays-Bas. Oula, il est bousculé au passage, 42. On a oublié Elder. Non, et c'est un tort parce qu'il va vite. Attention Elder, il peut centrer, ce sera un nouveau corner. Oui, et c'est la remarque que fait. Ah, mais il s'est blessé, il y a quelque chose du côté de Christian 42. Semblait quand même un petit peu anormal. Bien, clopin, clopin, en continuant.
sur cette action va bénéficier du reste d'un coup franc. Bousculé par Michael Molls. D'ailleurs, Gus Hiddink cherche l'avant-centre susceptible de remplacer Van Basten, dont on a des nouvelles qui ne sont pas très bonnes. Il a bien essayé, Van Basten, après ses multiples opérations à la cheville, de revenir, mais apparemment, il faut mettre un point final à sa carrière. Alors, ça s'est passé entre Twente et Ajax, Thierry. Au départ, c'était Debourg, le frère de Franck, Ronald Debourg, qui était à l'Ajax, et puis il est parti. Il est allé à Twente. Pendant ce temps, Michael Molls est devenu titulaire à l'Ajax. De là, on a fait appel à Yuri Mulder, qui était l'ancien avant-centre de l'Ajax de du FC Twente. Et finalement, c'est Michael Molls qui, lui, maintenant, est au FC Twente, qui revient en sélection. Enfin, c'est très compliqué. C'est un beau chassé-croisé, en oui, tout cas. C'est un jeu à trois. Faut jouer en triangle. Attention, faute de Dibeko. L'arbitre a laissé jouer. J'aurais quand même bien voulu voir Yuri Mulder. Hein. C'est le fils de l'autre. C'est le fils de l'autre. Eh oui. Voilà, l'ancien stagiaire. Oh, quel bon 1-2 encore pour le troisième homme. Elder. Newman. Attention à ce ballon, bien capté par Bernard Lama. Il le fallait, car derrière, rôdait encore Marc Overmars. Il fait passer une inconfortable soirée à Dimeco. Cette fois-ci, la relance a pu être assurée. Dimeco, le voilà. Allez, il ne faut pas s'isoler, Eric, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Oui, bien fait avec Pedros, va pouvoir centrer, non ? Corner. Ah non, il la donne à la défense. C'est pas sûr, c'était pile ou face. On repart du côté gauche avec Debourg. Newman, Elder, Winter, bon ballon pour Overmars, attention, danger. Il y a des décalages qui se créent de plus en plus, Thierry, dans la défense française. Et on a vu Eric Cantona lever les bras. Il avait vu de larges ouvertures dans la défense de son équipe. Jonk. Sur le côté gauche, Elder face à Carambeu. Bien fait, Christian, bien écarté. Papin aux prises avec Debourg. Pratiquement pas d'occasion pour les attaquants français de se mettre en vedette, car ils sont sevrés de bons ballons. Pour une fois, les Hollandais et les Néerlandais avaient joué long. De Saï, Le Gouen, Marcel De Saï à nouveau. Sur le côté, Laurent Blanc face à Molls. Directement sur Newman. Récupération Carambeu qui les préfère laisser sortir ce ballon. De Saï avec Dimeco. Donc, ah, j'ai peur qu'en courant comme ça pris le ballon pendant de longues minutes, les Français ne s'épuisent. Winter, Sidor, profondeur. Newman, on va laisser courir, non, il préfère ça. Voilà, juste au point. Il fallait s'arrêter net du côté de Bernard Lama, sinon on sortait des 16 mètres. Il fallait surtout laisser le ballon à l'intérieur des 16 mètres. 36e minute, 9 minutes avant la mi-temps, toujours 0-0. Le ballon qui revient inlassablement, inévitablement dans les pieds des oranges. Molls avec Elder. Oula, le double contact réussi une fois. Là, il ne passera pas. Sorti.
estime le juge de touche belge, monsieur Mathus. Glenn Elder qui tente des choses de plus en plus difficiles là-bas, avec une faute sur Cantona de Newman. Changement d'aile et hors-jeu. Seedorf. Très simple dans son jeu, Clarence Seedorf. Très très simple, c'est coupé. Young. Un contrôle, une passe. Seedorf. Overmars. Valks. Blind. Bien très difficile pour les Bleus. Très très difficile. Newman pour Jonk. Ah oui. Voilà, ça contrôle. C'est bien le retour de Loco. Voilà. Bon ballon. Pas pu passer. Bon gabarit néerlandais lui ont bouché le chemin. Bonne protection de Stan Valks sur Patrice Loco. Blanc a écarté le danger. Jonk, récupération Cantona, contre favorable. Non, il a glissé. Laurent Blanc donne à Paul Le Guen. Tient debout Paul Le Guen. Oui, bon décalage cette fois-ci. Oui. Jean-Pierre Allez. Papin sur le côté. Devant le but de Goy et dégagement de Blind. Récupération Seedorf. Ça s'anime. Allez, rare bon ballon d'attaque pour les Français. Il ne faut pas les gâcher. Overmars pris de la tête par De Sailly. Il est gentil, monsieur Pirot. Il ne met pas la main à la poche, comme vous le disiez. Heureusement que c'est un match amical. Oui. Et on va voir que le tacle d'Eric, il est bien haut, bien trop haut. On a dit souvent du bien d'Eric, alors on peut se permettre de faire remarquer ce qui l'est un petit peu moins. Overmars, Seedorf, balle piquée, tête de Blanc, tête de Cantona, Le Guen. Loin devant, attention. Les Français, les rares ballons le perdent rapidement et ça fait plusieurs fois qu'ils se font prendre au piège du hors-jeu. Soit Loco, soit Papin. Overmars. Seedorf. Jonk. Il n'a pas manqué une transversale, Jonk. Elder. Newman, il va frapper. Il a tiré à ras de terre. Ça a été contré. Ballon toujours néerlandais. Seedorf. Non, là, c'est dans l'angle mort. Et ça sortira en sortie de but. En faveur de Bernard Lama, alors que nous approchons de la mi-temps, distante maintenant de 6 minutes. Gussie Dink, ancien entraîneur du FC Valence. La France subit. Dimeco, Cantona, Blanc. Ferry. Ballon à Pedro, s'il a cherché Cantona sur le côté. Quelle équipe de récupérateurs Blind. Du côté néerlandais. Ils sont tous morts de faim du ballon. Seedorf, attention. Là, il y a le feu. Mols. Non, la main bien placée. Il a, sur une superbe ouverture de Seedorf, bien... Nous étions en France, nous aurions une caméra isolée sur Seedorf qui donne une leçon de football, Thierry, ce garçon. Il est toujours disponible, il ne fait rien qui apparaît difficile. Un contrôle, une passe, un contrôle, une passe, il se démarque. Il est toujours très simple dans ses choix. Mols qui a perdu le ballon, Cantona qui l'opère à son tour. Récupération de Carambeu. Pedros. Un petit peu approximatif tout ça. Longue ouverture d'Eric Cantona. La reprise de Valks. Mols. Eh bien joué. Bien revenu. Patrice Loco. Dimeco. Loco. Passé à gauche. Avec Papin. Écarte vers Cantona. Carambeu. De Sailly. Dimeco.
Jean-Pierre Papin, mais il y a une intervention de Blin. Oui, et une remontée de Debourg. Loin devant. Oh là. Heureusement que le compte n'a pas été favorable à Overmars. Mais qu'il a été à Marcel de Sailly. Cantona, il est passé, mésentente avec Pedro, c'est dommage. Et contre immédiat, annihilé par Ferry. Comment Loco. Attention, Papin encore hors jeu. Papin le voilà. Non, il est bien revenu. Revenu en jeu, Ferry, de Sailly. Dimeco, Cantona. Blanc. Ballon aérien. Le joueur français qui s'énerve un petit peu. Il y a eu plusieurs remarques entre les uns et les autres. Valls. Apparemment, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Blind. Ah, s'il y avait un vainqueur au point actuellement, ça ne ferait aucun doute. Heureusement, en football, ça n'existe pas. Blanc. Pedros. Le Gouen. Loco. Un peu court. Récupération Paul Le Guen. De Sailly. Blanc. Cantona. Allez, bon ballon. Ouais. Bon ballon. Carambeu qui va arriver à temps. Le petit crochet. Ça va revenir. Il va avoir une deuxième chance. Vous croyez. Voilà, Laurent Blanc. Carambeu. Cantona. C'était jeté Valls. Maintenant. Carambeu. Oui. Ouais, voilà, superbe action. Oui, premier tir, bon tir cadré de Christian Carambeu et opposition de De Gaulle. Et pas facile l'intervention d'Ed De Gaulle parce qu'il était au sol. Il va y avoir une frappe du coup de pied. Un ballon qui va rebondir juste sur la ligne des 5m50. Il l'a bien repoussé sur le côté. Le gardien néerlandais. Paul Le Guen. De Sailly. Loco. Ah, là, il n'y a pas de bleu. Mais il y a Seedorf. Pour Winter en profondeur. Ferry était là en couverture. Car il sentait qu'il n'avait aucun soutien. Jean-Michel Ferry, il a préféré mettre cette balle en touche. Le temps que son équipe puisse se replacer. Que lui-même puisse reprendre sa place devant la défense centrale de Sailly Blanc. 44e minute. Overmars. Quel poison. Ah, les deux, hein, Overmars et Elder sont ennuyeux. Seedorf, Winter. Blind. Debourg. Elder. Ils vont à 200 à l'heure. Une deux avec le poteau favorable à Elder. Le roi du double contact pour l'instant. Iman. Mols. Il était dos au but. Allez, allez, un bon coup à jouer. Ballon de contre. Laurent Blanc. Oui, bon ballon pour Loco. Il Loco. Faut enchaîner, enchaîner. Loco. Donne sur le côté Papin. Ah, oh là là, il a manqué sa frappe. Ça lui arrive à lui aussi. Et il y a eu un temps d'arrêt dans l'enchaînement fatal. Et après, Jean-Pierre Papin, certes, a manqué son tir. Et c'est vrai qu'il n'était pas dans les meilleures conditions pour frapper. Valls. Alors que l'on joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps, il n'y en a pratiquement pas eu. Bonne sortie de Marcel de Sailly. Bon ballon pour Loco, peut-être. Oh oui, oui but. But. Un seul ballon, c'est le buteur. Loco qui la met au fond à la 45e minute. Avec, je crois que c'était un but 100% nantais, Thierry, non. Avec une ouverture de Pedros et une volée après rebond de Patrice Loco. C'est son deuxième but en équipe de France.
passe après celui réussi contre l'Azerbaïdjan à Trabzon. Frappe en rupture de manière à ce que le ballon ne fuit pas. On le reverra, Jean-Yves Pouloux. Mais on le reverra encore, bien sûr. Mais la frappe ou la passe de Reynald Pedros était au millimètre et vous regarderez un petit peu le mouvement du ballon. Il ne bouge pas. C'est un ballon qui a rebondi, je dirais, naturellement sur le sol. Ici, c'est partout. C'est Sir Jean-Pierre qui animait cette mi-temps. Non, il fait bon. Il fait une belle soirée néerlandaise à cette époque de l'année. Et surtout, l'atmosphère dans ce stade est extrêmement chaude et agréable. Les amateurs de foot des Pays-Bas, lorsqu'ils viennent au stade, eh bien, ils sont dans un bon état d'esprit, ils chantent et ils dansent, et c'est le cas aujourd'hui à Utrecht, et on apprécie à sa juste valeur l'ambiance qu'il y a dans ce stade, Jean-Michel. Oui, à la mi-temps, eh bien, on a fêté les anciens, on a eu la chance et le plaisir de revoir Jan Wouters, Erwin Koeman ou Frank Rijkaard, et eh bien, eux aussi ont assisté à une première mi-temps plutôt dominée par les Oranges, mais conclue par cette frappe remarquable transversale de Reynald Pedros, une transversale de la gauche à la droite, et la balle comme elle vient, j'y tape un rebond qui est tout naturel. Regardez, le ballon remonte naturellement, bel équilibre de Patrice Loco, frappe exactement sur la trajectoire sur laquelle se trouve De Gaulle, mais la spontanéité, la précision de la frappe du Nantais ont surpris De Gaulle, qui était pratiquement sur la trajectoire, mais il n'a même pas eu le temps de claquer ce ballon au-dessus de la transversale. Il l'a touché, mais pas suffisamment. Et l'équipe de France, alors que l'on croyait qu'elle allait revenir sur dans les vestiaires avec un 0-0 presque un peu flatteur, est bien revenue avec un 1-0, lui beaucoup plus flatteur. Grâce à Patrice Loco, qui est en plein boom actuellement. Justement, Thierry, Patrice Loco, on le retrouve. Patrice, quand Reynald vous adresse cette passe, c'est un but déjà 100% nantais, vous sentez que ça peut aller au fond? Oui, je crois qu'il faut la prendre comme ça vient, et après, bah, avec la réussite, ça rentre. Un but à la Jean-Pierre Papin. Exactement. Il n'avait pas trop le temps de répondre. Voilà, oui, voilà. Ça va reprendre, et je suis même sûr qu'il y a eu un changement dans l'équipe des Pays-Bas. Oui, puisque j'ai vu que le brassard de capitaine était passé du bras de Blind à celui de Jonk. Vous êtes en pleine forme en ce début de 95, Thierry. Oui. Donc il doit y avoir. Je pense que c'est Davids. Reiziger, joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Michael Reiziger, un défenseur latéral, alors que Danny Blind est sorti et c'est Jean qui va jouer dans l'axe avec Valks. Mais vous avez, Thierry, quelque chose à dire. Oui, avant que le match ne reprenne, si vous êtes du côté de Compiègne samedi vers 14h30, bien vous pourrez faire une bonne action en vous rendant à Tourotte, où le Variété disputera un match de bienfaisance au profit de la recherche contre la maladie de Crohn, qui est une maladie terrible qui frappe les enfants. Et donc ce match sera uniquement au bénéfice des chercheurs qui se dévouent pour trouver à guérir cette épouvantable maladie, la maladie de Crohn. Samedi à 14h30, un autre petit message. Il y a quelques supporters français qui ont me demandé de donner un bonjour au club de la Côte d'Aisne. Il paraît que c'est en Savoie. Ah bon? Alors, Il n'y en a pas beaucoup des supporters français. Hein. Bonjour. Thierry Jean-Michel. Oui. D'ici une dizaine de minutes, c'est Jocelyn Gloma qui devrait effectuer son entrée en équipe de France. Merci à Vincent Hardy qui se trouve sur la pelouse du Valkenburg Stadium de Utrecht. Voilà, c'est parti. Deuxième période avec donc un but d'avance pour l'équipe de France. Et ballon dans les pieds de Ferry. Oui, des supporters français, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même un qui habite ici à Utrecht, qui nous a demandé de dire un petit mot à sa famille qui se trouve à Taillecourt dans le Doubs, ce que nous faisons bien volontiers, un petit village du Doubs. Attention, Seedorf, Elder, Winter, ça recommence. Comme en première mi-temps, avec le ballon dans les pieds des rapides attaquants néerlandais, n'hésitant pas à revenir derrière. Valks, Jonk. Overmars qui était à peu près à contre-pied sur cette action.
De Saï, Le Guen, De Saï, directement sur Jonk. Récupération, Numan, Helder. Papin, pas pu se rendre maître du ballon, toujours néerlandais. Valks pour Overmars. Et mais ça recommence, mais exactement, c'est-à-dire qu'ils ont quand même du mal, les néerlandais. La possession du ballon leur est acquise. Ils ont du mal à jouer dans le sens de la profondeur. Zinger, Helder, Sidor, Winter, bousculé. Oui. Récupération de Bourg. Sur le côté, Helder, pied gauche, la tête de Laurent Blanc pour écarter le danger. Seedorf, Overmars, Jonk obligé de courir derrière ce ballon. De Goy avec Numan. Jonk. Oulala, oulala, c'est gonflé. Oui, c'est gonflé comme vous dites. Car Papin rôdait par là et avait senti le coup. Jonk. Winter pris par Ferry, Le Guen, Laurent Blanc, De Saï. Sûr que ce but réussi à la 45e minute par Patrice Locot a mis les joueurs des Méjaquais en confiance. Et leur état d'esprit ne doit pas du tout être le même. Avant le difficile déplacement de la fin du mois de mars à Tel Aviv contre l'équipe d'Israël, c'était la meilleure préparation possible. Cantona, tête de corps, ouverture pour Loco. Il était derrière, il a failli passer devant. Il a fait ça très bien sur contrôle orienté. Franck Debourg. Helder est passé. Attention. Mais ils sont déjà en couverture, les Bleus. Oui, mais Helder est toujours là, mais il est très très vif, cet ailier gauche. Vrai qu'il il abuse un petit peu de ses qualités et les défenseurs français l'ont tellement compris que maintenant ils viennent systématiquement le coincer le long de la ligne de touche. Et pour l'instant, en tout cas, ça réussit. Carambeu qui a joué avec Bernard Lama. Laurent Blanc, De Saï, Loco, Ferry, ballon perdu, attention, ça va vite pour Helder qui va pouvoir frapper du pied gauche. Oui, bonne prise de balle de Bernard Lama, impeccable, le ballon n'a pas bougé. Sur un ballon un peu stupidement perdu au milieu du terrain. Et les Néerlandais se sont retrouvés en surnombre. Mais les mains de Lama n'ont pas tremblé là aussi. Ah, encore trop de désinvolture, mais il s'est bien repris, Eric Cantona. Le Guen. De Bourg avec Helder. Il a réussi à passer à Numan. Le ballon lui revient. Centre-pied gauche. Laurent Blanc, De Saï. Pedros, c'est pas mal. Carambeu, c'est même bien. Signalé hors jeu, juste sous le museau de l'arbitre belge, monsieur Léopold Prissen. Numan. Helder. Heureusement. Ça arrive aussi aux autres de commettre des petites erreurs comme celle-là. Cantona. Il n'y a personne côté droit. Oui, un petit talonnade. Ballon toujours français, Pedros. L'origine, on l'a vu du but de Loco, De Saï. Dimeco. De Saï. Blanc. Cantona. Blanc, De Saï, Pedro,
Loco. Oui, c'est bien ce qu'il fait Loco. Le Gouen. Ouh, superbe. Ah, il va ouvrir côté droit, ça c'est bien fait. Carambeu a beaucoup d'espace pour venir centrer. Entrée vers les 16 mètres, pied gauche. Trop. Non, Georges, je ne sais pas vraiment ce qu'il voulait faire avec Christian Carambeu. Il a d'abord hésité à partir le long du... pour aller centrer le long de la touche. Il a repiqué au centre et après, c'était trop tard. Il fallait prendre une décision. Il a frappé. Il y avait en plus un hors-jeu. Seedorf. Newman. Hubert. Hubert. Molls contré. Papin. Cantona. 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 Frappe à côté. Elle n'est pas contrée, elle est bien frappée. Bonne accélération d'Eric Cantona. Oui. Le match était un petit peu à côté du but de Goy. Un petit peu au-dessus. Qui vient de prendre une orange, tiens. Et une orange au milieu du terrain. Elle a l'air bien fraîche. C'est original. Voilà, elle repart. Une orange venue, une orange repartie. Pas mauvais les oranges, hein. Moi personnellement, je préfère comment ça s'appelle, les mandarines. De saillie. À la fin du repas, Thierry. Ah bah bien sûr, bien sûr. Avant, vous pouvez, on peut savoir ce que vous aimez. Non, 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 bon. Bah, on verra ça plus tard. Les Français qui vont circuler le ballon. Le Gouen, De Saillie, en profondeur Pedro, c'est un peu isolé là. Ballon perdu. Et nouveau changement apparemment du côté des Néerlandais. Overmars. Zinger là-bas. Elle est revenue de l'autre côté vers Debourg. Elder. Seedorf. Jonk. Pioche, attention, Molls, s'il s'ouvre le chemin du but, il y a danger. Tir contré, Newman. Cantona. Oui, bon changement fait. De pied. Poursuivi par Seedorf, fait à donner à Pedros. Longue ouverture de Pedro, cette fois-ci c'est pour Papin, mais elle ne lui est pas parvenue la balle. Et à la tête, Valls a pu donner à De Goy. C'est reparti. Mais le match est quand même beaucoup plus équilibré et les Français beaucoup plus libérés. Ouais, les Français qui jouent en confiance, c'est indiscutable. Je vous le disais au début de ce match, ils n'ont pas perdu contre l'équipe des Pays-Bas depuis 1981. C'était un match de Coupe du Monde qui s'était joué à Rotterdam. Et ils avaient pris leur revanche à Paris pour se qualifier pour la Coupe du Monde de 1982. Newman. Newman. Derrière Jonk. Reisinger. Eric Dimeco qui est allé sur lui. Ça force d'aller derrière sur Valls. Ah, il joue bien les Néerlandais, mais ça manque de force de percussion. Hein, devant, ça circule. Ça bouge bien, mais ça ne va pas au bout pour l'instant en tout cas. Molls. Elle est enfermée là-bas, ça va être dur. On va s'en sortir. Elle est pas sortie. Tout en douceur, Laurent Blanc. Le Gouen, c'est bien fait. Cantona. Il y a du monde. Allez, oui. Faire un bon appel de balle. Oui, puis il est bien parti, Eric, là. Il est bien parti, Eric. Il est allé s'empaler. Ballon toujours français. Papin. Carambeu. De Saillie, toute voile dehors. Il a sorti les gants. Oui. Pas mal. Dimeco va hériter de ce ballon, voilà qui est fait. Là il y a une maîtrise du jeu qui devient petit à petit française.
Et ça, c'est très encourageant et ça doit faire plaisir sur le banc à Aimé Jacquet. Carambeu derrière lui avec Lama. Relance vers Desailly, Dimeco. Les Néerlandais qui sont pris à leur propre jeu pour l'instant. Oui, et qui se font un peu chahuter par quelques-uns de leurs supporters. La tête de Carambeu, mais elle est sortie. Pierre Van Hooydonk, Celtic à la place de Michael Molls. Ce sera sa deuxième sélection. Van Hooydonk qui entre sous les vivas du public. Pas tout à fait le même gabarit. Son premier ballon de la poitrine et contre français. Immédiatement coup d'œil de Papin vers le juge de touche. Là, il n'était pas signalé hors jeu. Jonk. Wim Jonk, l'une des plus belles frappes de balle du football néerlandais. Seedorf. Bien pris Seedorf et Winter par Desailly et Pedros qui était revenu défendre. Faute de Marcel Desailly. Treize minutes de jeu. 58 minutes. Toujours 1-0 pour la France. Ballon en profondeur pour Van Hooydonk qui arrive à Le Guen. Dimeco, il n'a pas pu la maîtriser cette balle. Jonk pour faire la remise en jeu pour les Pays-Bas. Overmars. Seedorf. De Bourg, ça file jusqu'à Elder. Coup du pied, il a failli la prendre quand Tottenham, il ne l'a pas prise. Contre de Le Guen, Loco qui y va, Valks sera le premier. Pour l'instant, la clé du match, Thierry, elle est dans le fait que la défense française arrive parfaitement à bloquer. Et même si là, Dimeco a fait une faute sur Overmars, a bloqué Overmars côté droit et Elder côté gauche. Seedorf. On ne voit pas beaucoup Carambeu et Dimeco devant, mais leur rôle c'est de défendre hors jeu. Ah, de peu, mais il l'était. C'est le de défendre et ils défendent bien. Même si au départ il a fallu prendre quelques précautions, il y a eu quelques alertes sérieuses. Jonk. Winter. Newman. Elder. Mais il centre derrière le but. Ça y est, je crois que en tout cas Carambeu et Dimeco ont réussi à changer les qualités essentielles de leurs adversaires respectifs. Il y a toutefois un corner. La balle a été touchée. C'est le troisième corner en faveur des Pays-Bas. Vu d'ici, vu des tribunes, les bleus sont plus grands que les oranges. Et le ballon n'était pas à l'intérieur du quart de cercle. Overmars, hésitation et recorner. Non, il a dit sortie de but. Oh là, merci monsieur l'arbitre. Monsieur Pirot. Merci. Non, mais ça, je peux vous dire qu'il y a corner. Il y a que monsieur Pirot qui ne l'a pas dit, mais enfin. Si Michel l'a dit, Michel Pirou a raison, si vous voulez dire. Ah, trop haut pour et Papin et Pedros. Jusqu'à De Goy. On est entré dans le deuxième quart d'heure de cette deuxième période. Ah, tout le monde l'a levé, tout le monde. Il y avait Seedorf, il y avait Ferry. Mais Ferry est plus grand que Seedorf. Donc voilà. Ferry l'a levé plus haut que Seedorf. Voilà, exact. Newman. Der. Et bien sorti là. Carambeu. Seedorf. Der. Ouais, bien la tête de Laurent Blanc. Elder, elle a pris un petit coup au moral là.
à force d'échouer, eh bien, il doute maintenant. Il s'imaginait, en voyant comment ça tournait dès le début du match, que ça allait pas être trop dur, et puis son des minutes aperçu que c'était pas vraiment le cas et commettre des maladresses avec un changement. Jocelyn Angloma, c'était prévu, oui. Va entrer Paul Le Guen, va sortir Vincent Hardy, nous avait prévu de cette affaire, et sans doute que Paul a été à multiplier les efforts depuis pas mal de temps. Élément essentiel, Paul Le Guen, et de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain. Et il faut penser à d'autres solutions éventuelles. Alors Angloma a repris sa place de défenseur latéral droit. Christian Carambeu est passé au milieu à la place de son coéquipier, enfin de son ex-coéquipier, Le Guen. Van Oy donc pour Elder. Thierry Jean-Michel en compagnie de Paul Le Guen. Paul, il y a du rythme dans cette rencontre. Les Néerlandais font bien tourner le ballon quand même. Hein. On a eu un début de match très difficile. On a été un petit peu acculé sur nos buts. Mais depuis la fin de la première mi-temps, ça va beaucoup mieux, on maîtrise beaucoup mieux le ballon. Et je pense qu'on peut envisager la suite avec optimisme. Beaucoup de lucidité dans l'analyse, oui, de Paul Le Guen, qui, même au sortir d'une heure d'un match international, dit les choses telles que vous les avez vues devant votre poste. Début de match difficile et bonne réaction des Français. Ah, bien qui, fait. On la maîtrise maintenant. Ouh, quel dommage que ça ne soit pas passé. Mais quand on a la récupéré cette balle. Toujours pas Lobo, de hors-jeu. Centre en retrait. Ouh, il l'a pas fauché. Ah, oh, j'ai cru d'ici que le tacle de Valls allait faire chuter Eric Cantona. Ah, il a fait 2-3 trucs extra. Regardez le tacle, oh là là là. Et il est réussi à se glisser et à la remettre en retrait. Hélas pour Cantona, le ballon a été contré. Corner avec Pedros qui va frapper ce corner. Le Guen, Loco, récupération Angloma. Elder en position d'avant-centre, Overmars sur le côté. Ah non, c'est bon pour nous. 4 contre 4, mais ça ira chez Bernard Lama. Jeune, très jeune équipe des Pays-Bas. Et quand ça tourne bien, ça va, mais quand il y a un petit peu un grain de sable, du mal à remettre la machine dans le droit chemin. La touche pour les Oranges. Avec un nouveau changement dans l'équipe des Pays-Bas, c'est Overmars qui va sortir. Et c'est Van Bussen qui va rentrer. Van Bussen, ce joueur d'Anderlecht, qui était lui aussi dans les 22 néerlandais aux États-Unis. Qui s'est fait prendre là par De Saï. Reisinger, à qui la touche, au bleu. Vas-y, monsieur Pirot. Dimeco, pour faire la remise en jeu, loin devant, vers son capitaine Eric Cantona, qui se met dans le sens de la marche. Bien joué. Récupère beaucoup de ballons, oui. Eric Cantona. Oui, oui. Il est beaucoup plus en jambes. Il est dans le jeu, il nous fait une bien meilleure prestation que lors de ses derniers combats tricolores. Oh là 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 là, que j'ai fait. Un contre est si vite arrivé, en football comme en boxe. Si on peut les éviter, c'est pas plus mal. Debourg, Jonk. Attention, attention Dimeco. Bien fait. Nicolas Wedek va bientôt entrer en jeu. Et à la place de qui, Vincent? Eh bien, je ne le sais pas encore, mais à mon avis, ce serait Jean-Pierre Papin, peut-être. Oui, ce sera Jean-Pierre Papin, je vous le confirme. Quel talent. Convalescent, Nicolas Wedek. Il avait perdu beaucoup de poids suite d'une mauvaise grippe intestinale. Là, ça va mieux, visiblement, puisqu'il est prêt à faire sa rentrée sous le maillot tricolore. Newman.
Ah, bon ballon. Elder va pouvoir centrer. Bon ballon est bon, oui, Bernard Lama, mais bon ballon dans le dos de Jocelyn Angloma. C'est un chat, il a jailli Bernard Lama. On va le voir surgir là, Elder dans le dos d'Angloma. Un centre en retrait au ras du sol. Oh, attention là. Voilà, Dimeco qui a mis ce ballon en touche. Hey Mike, come here. Pas facile à passer ce Dimeco quand même. Arrière latéral de devoir. Papin revenu défendre là, regardez. Dégagement directement sur Jonk. Loco vient défendre à son tour, obligé de retourner derrière. Van Vossen qui demande la balle dans l'axe. Debourg, la tête de Desailly. Loco, bousculé. Elder, bonne sortie de Jocelyn Angloma. Et Debourg est blessé. Franck Debourg est blessé. Il a pris la tête de l'arrière du crâne de Loco. Jeu, Loco qui se tient le crâne et Debourg qui se tient aussi le crâne, Papin qui sort et Wedek qui rentre pendant ce temps. Ça veut dire que la moitié des joueurs de champ, sur les 10 joueurs de champ, il y a 5 Nantais. Nicolas Wedek. Quatrième sélection. À côté de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre, peu de ballons à négocier ce soir. Bon, c'était un contexte difficile aujourd'hui. C'est une jeune équipe qui joue très vite. Et bon, ça fait 9 jours que j'ai repris l'entraînement. J'ai à peine un match dans les jambes. Je crois que l'important aujourd'hui, c'est de retrouver ses marques et de faire partie de ce groupe qui est super. À propos de l'entraînement que vous avez repris au Bayern, il y a un nouveau joueur, c'est Kostadinov. C'est le bourreau des Français contre la Bulgarie il y a plus d'un an. Alors, les rapports. Oui, c'est très bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on va pas revenir sur le passé. Ben ça oui. Fait mal, ça fait encore un petit peu mal, mais bon, son boulot, si j'ai pu faire la même chose, je l'aurais fait. Ben oui. On aurait bien voulu, Jean-Pierre, que vous le fassiez ce soir-là. Mais enfin, c'est vrai qu'on va pas refaire l'histoire. Carambeu. Allez, passé, attention, Elder. Van Vossen qui a apporté du dynamisme. Oui. Ouh là là, attention, attention, Van Hooydonk. Dans les 16 mètres aux prises avec Pedros. Et heureusement, il n'a pas pu contrôler ce ballon qui avait été contré. Il est enfermé là-bas. Desailly, Cantona. Le mauvais moment est passé, pas pour longtemps, ça va revenir. Attention, ça va revenir, on est dans la moitié de terrain française. Seedorf avec Jonk, ballon en cloche. Dégagement de Dimeco. Ah là, il y a le feu. Hein. Debourg. Ah, il va de l'un à l'autre, telle une abeille, Loco, pour faire le pressing. Et Van Vossen se retrouve là-bas, côté droit. Van Vossen, Van Hooydonk, Reisinger plus exactement. Récupération, Cantona sur le côté. Un peu bousculé, Wedek. Et Debourg. Si peu que M. Pirot n'a pas sanctionné, ça revient. Jonk. Garde-là, on a crié du vent français, c'est Henri-Émile qui a dit ça. Eh oui, il faut essayer de calmer le jeu, ce qui n'est pas évident. Pedros. Et d'essayer d'être un petit peu plus lucide. Voilà, c'est fait. On va mettre ce ballon au sol. Desailly. Cantona. Desailly laisse filer jusqu'à Bernard Lama. 25 minutes, il reste encore 20 minutes. Et toujours 1-0. Et il revient d'une position hors-jeu, Van Hooydonk. Ce but marqué par Patrice Loco à la 45e minute. Tiens, c'est Lama qui va venir tirer ce coup franc. Sur le côté, vers Jocelyn Angloma. Touche logiquement. Non mais il y a coup franc. Il y a faute de Ferry avant. Newman. Debourg. Jonk. Reisinger.
Janssen. C'est heurté à Dimeco, puis à De Sailly. Ouh, les sorties de Sailly. Il veut mettre le feu. Ah oui, oui, c'est, on retrouve en partie le De Sailly de l'année passée. Wedek. Cantona, bien joué pour Pedros, pour Wedek. Pour centrer. Voilà un bon centre, il n'y a pas trop de bleu, dommage. Winter. Ah, pour la première oui. fois, Seedorf a manqué son contrôle. Carambeu. Cantona. Blanc. Ah, il s'est rattrapé, Seedorf. Oui, il a été piqué ce ballon dans les pieds de Carambeu. Helder. Pas beaucoup de solutions pour l'attaquant gauche. Numan en retrait, Winter, attention, il est à 30 mètres du but, non, il est ouf. Il est hors-jeu, hors-jeu, oui. Van Vossen. Il est allé 6 mètres, à un moment donné, j'ai cru que Winter allait prendre sa chance tout seul, et puis il a vu le grand Van Vossen y aller. Et vous entendez les chants des spectateurs d'Utrecht. Vraiment, l'ambiance qui préside à ce match est super. Ça vous plaît, hein? Carambeu, il a donné ce ballon à Cantona, cherche Loco, la tête de Loco, il n'a pas passé Valks. Debourg. Ce ballon dans les pieds néerlandais. C'est la banda néerlandaise. Oui. Pas la banda de Dax ou de Bayonne, mais c'est la banda néerlandaise. Et l'équipe de France. Oui, qui joue samedi, hein, son premier match du tournoi, équipe de France de rugby, peut lui dire que beaucoup de joueurs, pour ne pas dire toute la totalité du staff tricolore, lui souhaite bonne chance à l'amorce de cette saison internationale. Et de ce premier match contre le pays de Galles. Cantona. Les hommes de Philippe Saint-André qui cet après-midi avaient une opposition avec l'équipe A' qui elle va jouer en Écosse. Loco, Cantona. Allez, comme elle vient. Wedek. Non, il préfère écarter avec Rénal Pedros. Pedros, attention, on se replace. Dimeco qui arrive. On se piste et Valk se prolonge en corner. Il reste, alors que l'équipe de France mène un quart d'heure, il reste gros quart d'heure. Gros quart d'heure et quatrième corner maintenant. Et comme Le Guen n'est pas là pour les frapper, eh bien c'est Eric Cantona qui va l'exécuter. Frappe de l'arrêt interne, ballon sortant, bien soulevé de la tête d'Angloma sans problème pour être De Goy. De Goy qui va pouvoir dégager. Trop rapidement avec Luman. Il bouge Van Vossen. Van Vossen, il est parti sur la gauche. Mais il est contré. Peut-être qu'il porte un petit poil trop le ballon, les Néerlandais. Mais ça pourrait finir par payer Winter, Sidor. La déviation. Angloma. Carambeu. Ce que l'on peut dire aussi, Thierry, c'est que la défense française, qui n'a pas encaissé de but jusqu'à présent dans le cadre des éliminatoires, maintient son invincibilité. Un bon niveau de jeu. Et je crois, Jean-Michel, que si on pouvait dire à un moment donné, notamment lorsque Loco a marqué, que cet avantage était peut-être un petit peu usurpé compte tenu de ce qui s'était passé en première période, maintenant ça n'est plus du tout le cas. Mais plus du tout. Les Français méritent cet avantage. Et ce sont les Néerlandais qui commettent des fautes, à l'image ici de Helder sur Eric Dimeco. C'est un petit peu le monde à l'envers, car souvenez-vous, au départ, c'était plutôt Eric
qui avait fait quelques fautes. Un quart d'heure, les gars. Jean-Michel, un quart d'heure. Prend le ballon, lui dit Aimé Jacquet au milieu de terrain. C'est d'ailleurs qu'il ne voudrait pas ça, par exemple. Mais ça va arriver sur un bleu. Oui. Wedek qui a prolongé. Et belle remise. Reisinger. Van Oeil donc. Cédor. Neumann. Van Boussen. Voilà, Slovan et même française. La touche sera pour les bleus, oui. Oui, oui, oui. Pas de problème. Il l'a vu, monsieur Pirot. Ce n'est qu'une touche. Dernier changement, je pense, c'est Edgar Davids. Je crois qu'il s'était mis d'accord avec les deux entraîneurs. Cinq changements. Neumann qui sort donc. Un joueur de l'Ajax contre un joueur de l'Ajax. Et c'est Davids. Angloma. Son premier ballon. Reisinger, Van Boussen, Reisinger, Seedorf. Oui, bien pris par Ferry. La puissance de Ferry et la contre-attaque de Wedek dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Hélas. Debourg. Et ça gagne quelques secondes car il a été obligé d'aller s'appuyer sur son gardien Ed De Goy. David. Jean. Cédor. Oui. Bien avant pied en l'air. Là, cette fois-ci, il était tout seul. Il était tout seul, Pedros, à l'avoir levé le pied. Jean. Valks. Reisinger. Ah non. Des maladresses. Ah oui. Proche de. La mouche. Les mouches ont changé d'âne. La 80e minute, oui. Beaucoup couru aussi les Néerlandais avec le ballon certes, mais ils ont bien cavalé et ils le payent un petit peu maintenant. Cantona, Pedros. Attention, Jean, attention, ne pas attention, oublier. Alder dans les 16 mètres va pouvoir frapper. Corner concédé par Laurent Blanc. Du genou, mais il fallait le mettre car là-bas au second poteau il y avait Van Oeydonk, il y avait Van Vossen, il y avait Aaron Winter. Mecho, viens. Quatrième corner pour l'équipe des Pays-Bas. En deux temps avec Jonk et Elder. Elder. Ah, bien contré. Bien contré. Prolongé. Jeté. La tête de Ferry. Carambeu a continué sa course. Bien donné à Pedros. C'est bien fait tout ça. Loco. Cantona. Il a senti le retour d'Elder. Mais pas là. Il l'avait passé une fois. Il est revenu lui chipper ce ballon une deuxième fois. Wedek revenu. Seedorf. Et la tête Ferry. De Ferry, précieux dans le jeu aérien. Wedek. Il n'y a pas grand chose. On oublie maintenant de venir soutenir le porteur du ballon. Alors qu'il reste 10 minutes, que l'équipe de France mène toujours 1-0. But de Loco à la 45e. Allons toujours pour les Néerlandais, Valks, Vendron central, Jonk, le capitaine, Davids. Oui, bonne interception, il fallait la faire. Ouais, de Saï, superbe, Blanc. Il est venu, il va rester à l'attaque ouais. Laurent Blanc, car ouais. Il y avait encore un bon coup à jouer. Regard circulaire d'Eric Cantona. Il a voulu donner sur le côté là-bas vers Pedros, mais ça remonte côté néerlandais. Seedorf. Jonk. Angloma. Un peu molle la passe, mais le ballon est resté français. Pedros, Blanc. Ah oui, un petit trou. Et il est passé le grand Laurent. Carambeu. Du coup du pied, ouais. Sauvé par Debourg. Et ça repart.
Wilson dans le trou. Dimeco est là. Ben, il est obligé de la jouer, Dimeco, et oui, de la dégager pied droit. Il va y aller. Non, extérieur pied gauche. David. Gauche. Deux bleus pour un orange, mais c'est l'orange qui a eu le ballon. C'est d'or. C'est fini. Obligé de revenir derrière. Reisinger, Jonk, David, bien contré par Cantona. David, une, deux. Attention, Valoy Donko. Il a manqué sa frappe. Ouh là 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 là. À 17 mètres du but. La belle bleue. Et la main vient de dire à ses coéquipiers de rester vigilants. C'est pas tout à fait fini. Elle est passée largement, largement au-dessus. Van Hooydonk a complètement vendangé cette occasion. 8 minutes encore. Et ce sera, ma foi, un bon résultat. Dimeco. Saï, Cantona, Pedros, perdu ce ballon, Elder, Dor, Valks, je crois que c'est notre ami Denis Chaumier qui ce matin dans l'équipe demandait de France de venir à la hauteur des clubs français, Paris Saint-Germain, Auxerre et Nantes, tous trois qualifiés pour les quarts de finale des Coupes d'Europe. Bien, s'ils obtenaient le bon résultat qu'ils tiennent en ce moment aux Pays-Bas, ils auraient fait une partie du chemin, parce que n'oublions pas qu'au début de l'ère Jacquet, cette équipe de France était allée gagner à Naples. Bon, qu'elle a un petit peu déçu dans les éliminatoires de l'Euro 96, mais enfin en préservant l'essentiel. Oui, plus par la manière que par les résultats, voilà, parce qu'on verra ce que les autres feront en Slovaquie ou en Pologne. Exactement. Mmh. Et bon, s'ils n'ont pas marqué de but, ils n'en ont pas encaissé, comme vous le disiez. Et l'équipe de France d'Aimé Jacquet, eh bien, elle est toujours invaincue. Et si après avoir été en Italie, elle revenait... Oh, une faute de Carambeu. C'est exactement à cet endroit qu'il s'était fait expulser à Zabrze contre la Pologne, exactement. Oui, oui. Là, ça aurait été un match officiel, sûr qu'il aurait mis la main à la poche, monsieur Pirot, mais... Non, mais même il va faire rejouer le coup franc tiré trop rapidement par Jonk. Dommage, parce que j'aurais préféré ça qu'une frappe... Oui, une frappe de Debourg ou une frappe de Jonk, on va voir. Ils sont là tous les deux. Il a une frappe lourde, hein, Wim Jonk. Debourg, c'est pas mal non plus. C'est ras de terre et ça sort corner. C'est corner. Non, c'est sorti. Il a dit sorti. Sorti deux fois. Hein. Oui. Mais puisque Michel l'a dit. Oui, oui. Si Michel l'a dit, hein, c'est que c'est bon. Loin, fort et haut. À la descente du ballon, Cantona. Cantona. Pedros. Reisinger. Il reste 5 minutes. Jonk. Van Hooydonk. Ça fait un beau duel. Van Hooydonk, Laurent Blanc. Reisinger, Van Vossen. Et ce sera un nouveau corner. Vossen, mais en tout cas très remuant, et Jonk se précipite pour aller tirer ce corner à la 40e minute, 41e, 45e, à la 41e, il est 41e minute. Ah oui, oui, il reste encore 5 minutes. Voilà. Et toujours ballon orange. Van Vossen écarte le jeu vers Seedorf.
recherche la tête de Van Hooydonk. Et c'est celle de Carambeu qu'on a trouvée, puis celle de Dimeco, celle de Cantona. Pedros, Cantona sur le côté, c'est bien fait. Le dédoublement est réussi et le centre également. Et la reprise pas loin du tout. C'était pas loin, c'était bien joué. Avec une bonne intervention de tête de Goy, mais un bon enchaînement là-bas côté gauche. Cantona, Pedros, c'est un centre qui a failli arriver dans les pieds de Loco. C'était encore démarré Cantona et ça se terminait Nantais. David, Cédor. Et pour couper le rythme du match, les Français, qui voudraient bien repartir, et ce serait un bon résultat avec une victoire d'ici, vont faire un changement. Protection, oui, il vaut mieux. Je crois qu'il a pris la bonne solution de Sailly. Oui, parce que c'était dur de la donner de la tête comme il fallait. Et la touche bien obtenue sera... Voilà, c'est Christian Carambeu qui sort. Il a pris un petit coup et Lilian Thuram qui va le remplacer. Alors que l'on a revu cette intervention d'Ed De Goy, il avait été un petit peu secoué en début de match là. Mais il a fait un très bon match, Christian Carambeu, il a tenu pratiquement toute la partie. Et Lilian Thuram, qui avait connu sa première sélection contre la République tchèque. Du reste, dans les éliminatoires de l'Euro, ces Néerlandais, ils avaient fait match nul aussi avec la République tchèque. Comme la France l'avait fait à Bordeaux, vous vous en souvenez, pour ouvrir la saison 2-2 avec les deux buts de Zidane en fin de match. Allez, on tient le coup là. Allez, on tient le coup, dit Mémé. Il le faut. Jonk. Tenir le coup, c'est-à-dire tenir environ 3 minutes. Oui, à peu près. Il ne faut pas lui redonner le ballon. Ouh là, il a manqué. Il a manqué. Et lui aussi. Il a manqué. Et Winter, sa reprise, heureusement. Nous a fait un ballet aérien, Jocelyn Angloma, mais ça n'a pas porté préjudice. C'est magnifique. C'est vrai que ça serait pas mal. On était venu un petit peu ici sur la pointe des pieds, il faut bien le reconnaître. Et ce serait la troisième défaite au cours des 11 derniers matchs pour les Pays-Bas. Après les défaites concédées, les défaites concédées face à la Belgique et au Brésil, c'était au tour de la finale de la Coupe du Monde. Oula. Ah, de Sailly. Il a considéré. Ah, il est vraiment sympa, hein, M. Pirot. Hein. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'il a dû prendre un petit coup de postérieur, là. Oui, mais enfin, il a quand même mis les deux mains. Oui, tiens. Oui. Alors voilà encore un bon coup franc pour Franck Debourg. Franck Debourg, le pied gauche. Jonk va lui décaler un peu le ballon. Voilà qui est fait. Bam, contré par De Sailly qui avait jailli. Reisinger, la tête de Dimeco. Jonk, là ça va être son tour. Il remet dans le paquet. Bam, la tête d'Angloma. Récupération David. Écarte vers Elder. Il a hésité. Et bam. La tête nouveau de corner. Laurent Blanc. Ça y va gaiement. Attention, Jonk, attention, Jonk pour David. David, pied droit en profondeur. Il faut sortir avec ce ballon. Non, toujours néerlandais. Sidor, Elder. Et dans le paquet. La tête de Dimeco. C'est toujours sur un orange que ça retombe. David. Winter, pied droit, David, Laurent Blanc est sorti, Elder, obligé de revenir derrière avec Cédor, qui va remettre les arrêts de jeu. Qui va remettre dans le paquet, la tête de Ferry pour un petit peu d'air. Cantona, mais ça va revenir. Déjà perdu, ça va vite, ça va vite. Allez, il faut la garder. Ah là par contre, Thuram. Cantona qui va fixer. Il l'a perdu. Il l'a loupé. Et on est dans les arrêts de jeu. C'est fini. Allez, comme dirait l'autre, le docteur qui soigne les Néerlandais est bien malade. Winter.
sur le côté Van Vossen, l'une des dernières actions offensives, bien avortée par Ferry. Bon match du capitaine nantais aussi. Et monsieur Pirot qui ne regardait pas son XI, ça y est, il a regardé son chrono. Il l'a regardé. Valks, loin devant. Les dernières cartouches. Van Hooy donc. Der. Davids. Winter. Un peu faible, un encore peu court. Ferry qui sort avec le ballon. Cantona. Oui, qui a pris un petit coup. Touche française. Donc l'occasion de gagner quelques secondes et une victoire qui se profile. 2 minutes déjà d'arrêt de jeu pour les Bleus. Et une victoire qu'ils auront été chercher avec de belles qualités, notamment en deuxième période. Ma foi, ce qui n'est pas de mauvais augure pour la suite de la saison avec Pedros dans les 16 mètres, ce sera un corner. Sans doute le dernier. Oui. Sans doute, ou en tout cas vraiment l'un des tout derniers. Le troisième de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France. Rénal Pedros et Ivan Trottinant. Et les Français et les défenseurs français, mais cette fois-ci Laurent Blanc ne monte pas, mais Marcel de Sailly va, comme Eric Dimeco. C'est trop tendu. C'est trop tendu, mais ça va être dans les pieds de Laurent Blanc. Pedros avec Dimeco. Pedros. Il peut essayer. Il a essayé. Loco. Cantona va récupérer ce ballon. Avec Wedek. Cantona. Ça fait près de 3 minutes d'arrêt de jeu, c'est pas mal. Attention, faut pas la perdre celle-là. Il faut pas la perdre. Il faut pas la perdre. Van Vossen, en profondeur, Laurent Blanc, à grandes enjambées, De Sailly. Attention à la relance, l'extérieur du pied a été manqué, c'est Elder qui a récupéré. Elder, il a changé de côté, il est passé à droite, il a filé, il va pouvoir centrer. En retrait, au-dessus. Et au-dessus, cette balle de Jonk. C'était pas mal fait là, de la part de Elder, se centre en retrait. Juste avant que monsieur Pirot, Michel de son prénom, Michel Mathieu Pirot, ne siffle la fin de la rencontre, il va nous le faire. Ben oui, il faudrait. Eh bien non, non, il se plaît, Pirot. Il se plaît sur le terrain. Allez, Davids. La tête de Ferry. Cantona, bien dans l'axe pour Pedros. Revenu, c'est Van Hooy donc qui a donné derrière à Ed De Goey. Bonne relance du pied gauche. On va mettre les derniers ballons dans le paquet là du côté néerlandais. Seedorf. Et bonne intervention, nouvelle très bonne intervention de Laurent Blanc. Et là, c'est fini. Fin de match. C'est fini donc, victoire 1-0 de l'équipe de France ici aux Pays-Bas. C'est une très agréable surprise, un bon résultat. Et qui permettra à Aimé Jacquet de préparer dans les meilleures conditions le très important match de fin mars à Tel Aviv. Et Rocket Mastercard joue la carte du football. Air Inter espère que vous avez passé un agréable moment en sa compagnie avec le match Pays-Bas-France. Dans un instant, grand reportage, 17 ans et condamné à mort. Je suis favorable à la peine capitale. Moi, au volant d'une Mercedes. Combien vous avez dit ? Combien vous avez dit ? 1994. Revivez les 16 Grands Prix d'une saison cruciale dans l'histoire de la Formule 1. Des affrontements pied au plancher. Schumacher. Hill. Allez-y.
Mansell et l'adieu Ayrton Senna. Formule 1 94, le grand virage. 3 heures de spectacle, un coffret TF1 vidéo. Avec Auto 5 de MAF Assurance, quand votre voiture cote moins, votre assurance tout risque coûte moins. MAF Assurance, la volonté d'ouverture. Fun Radio présente Sting. Le premier best-of de Sting. Découvrez l'univers de Sting. Le meilleur de Sting en 17 titres. Avec deux inédits. Le premier best-of de Sting, la plus précieuse des compilations. Voilà, le plaisir est complet. Le juste prix présenté par Philippe Risoli. Vous connaissez ? Alors à vous de jouer. On n'attend plus que vous. Tous les jours, But présente le juste prix. Le juste prix, tous les jours, 12h20 sur TF1. À New York, Nancy grandit heureuse au sein de la communauté sicilienne. Moi, quand je serai grande, je serai une femme admirée de tout le monde. Mais le meurtre de son père par la mafia va marquer son destin à jamais. S'il t'arrivait, on ne sait jamais, d'avoir des ennuis, je veux que tu m'appelles et tu ne dois pas hésiter. Je devrais les envoyer en Sicile, c'est dangereux l'Amérique pour elle maintenant. T'as pas à laisser son sang.